Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va, on est bien arrivés à Mykonos. Il fait super beau, il y a un petit peu de vent, mais du coup, il y a de l'air, donc ça, c'est plutôt cool. Là, du coup, on a récupéré la maison. Ce soir, on va faire tranquille. Voilà, la vraie semaine de Mykonos va démarrer dès demain. Là, ce soir, on reste tranquille, on va aller juste faire un tour en ville, manger, se bader un peu, vraiment détente, profiter tranquillou. Et demain, la guerre commence. Voilà, on va profiter à fond. Bon, moi, je suis plutôt bien. Franchement, je m'attendais à être un peu plus dans le mal par rapport à Andrea. Je pense que pour l'instant, je réalise pas encore. J'ai lâché ma petite larmichette forcément sur le départ. Mais après, là, ça va pour l'instant. Ouais, ma mère fait que de m'envoyer des vidéos. Tout se passe bien. Donc voilà, on est trop contents. On va pouvoir bien profiter. Donc voilà pour cette première soirée à Mykonos. En tout cas, on a une vue mer juste incroyable. Franchement, c'est trop beau. On s'est bagarré pour les chambres. Franchement, ça me faisait trop penser en tournage quand on partait et qu'on courait tous super vite pour avoir les meilleures chambres. Là, du coup, on a joué ça sur un Uno. Au final, c'est Flo qui a réussi à avoir la plus grande chambre. Nous, on a eu l'équivalent de celle de Mimi et Simon. C'est plus ou moins les mêmes chambres. Mais bon, en soi, dans tous les cas, en vrai, on va profiter un max. Donc, on n'en a rien à faire. C'était plus pour le kiff, pour rigoler. Mais voilà, c'était plutôt rigolo cette arrivée. Ça m'a trop rappelé quand on arrivait sur les tournages, vraiment. C'est trop drôle. Je sais pas si vous êtes comme ça quand vous partez en vacances entre potes, mais genre quand vous arrivez dans la maison, tout le monde court et tout pour ouais, c'est ma chambre, ça c'est la mienne et tout. En plus, l'année dernière, j'avais de la chance, j'étais enceinte donc on m'avait laissé la meilleure chambre. Là, cette année, on m'a pas respectée. Voilà. On s'est pas dit, ça fait un an et demi qu'elle a pas fait de grasse matinée, bien dormi, sans bébé, sans gros ventre, sans rien. Non, non, non.